Dépravation de mœurs, sujet moko très vaste, nazaligo abordé yango, na kati ya épisode oyo ya Masolo ya Jonas. Odio ezali oyo, tozali koyoka na kati ya épisode oyo. Ok, alors sans plus tarder, nazali kokota na bozino, tokodiembela l'essentiel ba makambo oyo ezali plus na lien avec ba makambo na biso ya donc ba youtubeur na ba tiktoker. Ok, na okota pena na ba detail tel que bato batekaka ba contrat ya vente ba makambo ebele omoni yango na kolobela yango te parce que bato nyonso batekaka te. Ok, la plupart ya ba peine en rapport avec dépravation de mœurs ezokene ti à peu près ba 2 ans misusu eleki ba 2 ans wana. Ok, alors na banda wapi na banda avec tukomi awa ndenge nini. Ok, audio ezali tuzoyoka audio kala mingi te. Ok, alors Gisèle Fouille Mfouille, ok, en 2017 ba publié bon tomoni ba vieux ba to media mwa ebele ba accompagner pona kokompatir naye e aussi pona koluka ko justice esalema pona Gisèle Fouille ba publier bo comprendre déjà bon batindela soki bon je ne sais pas mobali na ye ba nini ti na ndenge pe se retrouva na maboko ya public. Alors mibeko ezalaka te ndenge nga na comprena na munoko ya vieux acte mibeko ezalaka te en rapport avec ba makambo ebele ya réseaux sociaux cybercriminalité mibeko ezalaka te. Alors vie aloba ke bakoproposer ba loi sur ba traçabilité ba nini ba makambo ebele ebele tant eleka ça c'était en 2017 tant eleki et en 2023 président Félix Tshisekedi assigna azalaka ye moko te. Ok, ba signé ordonnance oyo donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo 13 mars 2023 a signé ordonnance oyo Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge y est pas signé. Ok, et directeur et cabinet pour copie certifiée conforme à l'original 13 mars toujours 2023 Guilain Nyembo Mwizia, ok? Mwizia, Guilain Nyembo Mwizia, directeur ya cabinet, YP a signé. Ah, tout le monde solo ya présidence, ok? Naba premier ministre et Sikoyo Constant Mutamba, honorable Constant Mutamba, ministre ya justice, y a sali nini, ok? Bon, vous comprenez en audio, mais c'est important. Na résumé en mots avant tout yoka audio. Alors, Yesikoyo a commis Mukanda, ok, a bêtisé na quelques articles en rapport avec Marambou, ya Denise, na Jackie. A bêtisé sur quelques points oyo, ezali en rapport avec dossier na bango, makam ndenge banayi osalema na réseaux sociaux. Abetisete atindeli sikoyo ba procureur atindeli bango mukanda wana po ba arapele bango ke tokoma deja na ba loi concernant ba makambo depuis 2023. Ok, ye mutu asinyaki ordonnance te. Ok, donc ye akomaki mukanda na ye atindeli batu nyonso oyo bazali na position ya kokata makambo. Ok, alobi bozomona likambo oyo te. Bon, a partir ya likambo wana ya batu mibale wana Denise na Jackie nde sikoyo elamusi bakonzi na biso
ba procureur parce que premier ministre a sensibilisé bango a souligné quelques articles au total ezali na 390 articles OK article liboso ezali ezali donc batu oyo mibeko wana ezali ko s'appliquer sur bango OK y compris ba biso parce que naza la réseaux sociaux y compris ba acheteur ba mambo bele bele OK donc voilà article D ezali et glossaire ba définition y a ba terminologie nyoso o ezali sur loi numérique wana ordonnance wana y a 390 articles na la telemela à peu près moi quatre articles kaka boye OK alors to bandi par koyoka audio et par après to continuer avec ba note na ngai je suis Masolo ya Jonas OK alors audio ya ngo oyo je fais play na audio comme ça to landela ba note oyo to za kobeta lisolo ya dépravation de mœurs parce que Maria Ntumba ba akangamaki pona likambo OK mais donc ezalaki plus pona Denise na Jackie nde likambo yo elamuki mibeko ezalaki déjà to bandaki avec Gisèle Fouy lelo to zali kobeta lisolo ya Maria. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, a adressé une injonction ferme aux procureurs généraux près les cours d'appel de la RDC, leur enjoignant d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs d'actes de dépravation de mœurs sur les réseaux sociaux, notamment sur des plateformes comme TikTok. Dans une lettre circulaire, le ministre d'État a déploré la prolifération des contenus immoraux circulant en toute impunité à travers ses réseaux sociaux, contenus et qui, selon lui, choquent la société et mettent au mal l'éducation de la jeunesse. Il a attiré l'attention sur l'ordonnance loi numéro 23/010, 13 mars 2023, qui encadre les infractions commises dans le cyberespace et a demandé au procureur de faire respecter ces dispositions légales. La directive a été étendue à la police judiciaire des parquets ainsi qu'à la Commission nationale des censures des chansons et des spectacles, leur demandant d'interpeller les contrevenants. Cette mesure vise à préserver la morale collective, selon le ministre. Les procureurs sont tenus de soumettre des rapports sur l'exécution de cette injonction dans les prochains jours. Cette initiative, notons que cette initiative intervient dans un contexte tendu marqué par la récente polémique entourant Jacky Ndala, ancien coordonnateur national de la jeunesse du parti Ensemble pour la République, et Denise Mukendi Di Socho, une influenceuse digitale. Mukendi a admis dans une vidéo choquante être à l'origine du viol Ndala a été victime lors de sa détention à l'Agence nationale des renseignements. Et le Conseil supérieur de la communication et de médias a imposé un embargo médiatique de 45 jours sur toute mention de Jacky Ndala et Denise Mukendi Di Socho, interdisant toute diffusion liée à cette affaire sur les médias et les réseaux sociaux. Voilà. Alors, donc, ba procureur wana, donc, ba juge, ba tunyoso oyo bazali na capacité ya ko kanga batu, ko interpeller batu, ko tinda ba invitation. Donc, batu wana bazali sensé ko sala ba rapport et pa ya ministre ke to saleli mibeko wana oyo ezalaka déjà oyo bon donc to meta ki ona no penda en application te OK voilà et à la musi bango kaka ke te to za déjà na mibeko concernant si j'ai oyo ba point oyo alors bo salela yango bo pesanga ba rapport OK donc c'est ça alors on continue. Article moko oyo na sepela ki ko djembela yango ezali article 4 OK 1 ezali bon batu nini ezali ko s'appliquer sur bango 2 définition ba terme tout ça glossaire 3 bon na
traîner là-dessus tes quatre exceptions. Ok? Est-ce que Musée Kindingu a zaligo faire partie à exception? N'a pas ces exemples. Ok? N'a posé qu'à la question. Sont exclus du champ d'application du présent livre les activités et services numériques exercés pour les besoins de la sécurité publique et de la défense nationale. Musée Kindingu, parce que Batoubele va poser la question, mais pourquoi va gagner Musée Kindingu? Peut-être à Kokangama, peut-être à Kangaki déjà, Moutoumoussou y a statinaye, ok? Zalite et Po Balobu, batina ba rapport, ke ba salilagi ba loawana, nde siko yo, il faut ba kanga batoumiosu, ba okanga quelques personnes pour e sensibiliser pe batoumisousu, voilà, donc ba okanga batoutou en même temps te, voilà, Musée Kindingu, soit. Aïe, Azali, bon, Marama Lubaka, Eza Pena Gravité, ou bien, bon, Aza Agent à l'État, Moni, Di Aza exclu, Baroueb Sayote, ok, Wan Ezali, article 4, sont exclus du champ d'application du présent livre, Aza Sigo Exception, les activités et services numériques exercés pour les besoins de la sécurité publique et de la défense nationale. Tout le monde a mis Kindingu avec ministre et enseignement supérieur et secondaire. Bon, à qui ne voulu l'audience, il est payé, ben il a mis. Tout le monde a mis avec l'autorité ébélée. Et voilà. Donc, pourquoi il est? Bon, peut-être à Luka Kibango, peut-être à Zalaka Master, peut-être donc à Jouaka, mon carte, mon boué, pour la défense, il y a Mboka Wana, ou bien pour la sécurité, il y a Mboka Wana, on ne sait jamais, ok? Voilà, alors on continue, ok? L'État, est-ce qu'ils allaient incapables, il y a pour gérer les réseaux sociaux, pour bannir TikTok, par exemple, Nakomo, il y a une solution T. Parce que na TikTok wana ezali kaka ba dépravation de mœurs c'était ba message avec ba dépravation de mœurs c'était ba tutoriel ezali ba tutoriel mo yamikuse et donc esalimi vraiment très bien mutu azako capter azo comprendre facilement OK ba cours ezali wana na TikTok wana kaka na pese exemple à TikTok parce que yangonde ba beteli c'était OK. Voilà. Alors, donc, quand on a TikTok, ils ont idée à bien, idée à bien, Zali, batoyo, tous à vous créer votre contenu, batoyo, tous à l'ico, côté à TikTok, ne, si, quoi, voilà, tout, mais qu'un peu, vous passez plus de temps, na, bah, contenu, moko, oyo, ils ont na, intérêt pour la mission, kobina, ils ont divertissement, vous avez se défouler, vous avez se détendre, ya moza la ngo mabete kotala mutu azabo bina ezala ngo mabete metango sikoyo ekomi mutu amozo bina bon tam susu donc ala tipe ne lokote wana nde ekomi sikoyo ekokende na direction ya depravation de mœurs. OK, voilà, ezali responsabilité ya ba créateur de contenu et aussi responsabilité ya ba téléspectateur. Voilà. Et puis aussi, il faut tenir compte de ce qui est toléré dans d'autres pays, peut ne pas être toléré en Congo. OK? Alors, l'État, il a assez de ressources pour la traçabilité. Par exemple, il y a un crime au Salemi, dans les réseaux sociaux. Bon, dans les en tout cas, il y a passé. OK? Nanto komi na ba budget pena ya makasite na Congo wana pona traçabilité bon batu ya media. OK, très souvent technologie et se développe ka na industrie ya magoda kuna de technologie et se développe ka mbongo za ebele kuna e ba ingénieur ebele ba travaille ka nanu
na domaine wana et siko les autres des domaines hein bango siko ba yaka ko exploiter ba technologie wana na ba côté mususu na ba secteur ya finance ba défense oyo hein na ba mboka mususu oui na défense ba chaka penda mbongo pe ba investissaka ba mbongo ya ebele tout ça mende siko yo côté kuna siko yo na industrie ya magoda donc voilà eza département moko boye oyo voilà d'une manière ou d'une autre er moko boye bo esale maganetika moi involontairement quoi du coup kaka boye pour yo wala na ba 4h du matin au côté OK na pena ba côté wana okuta na pena pena lisusu te nazala OK tina ba niveau ya ko s'abonner te ce qui peut n'est ni mais sinon te toza bato OK mende sikoyo tango longwe longwe pena okomi ko beta ba makama bongo ebele kara wana nde sikoyo oko se épanouir okomi pe na temps ya ko résoudre ba problème ya bato OK donc c'est un peu ça développement ya ba technologie ebele surtout numérique et ça les maka plus na industrie ya magoda na nenga Congo bon beza na quelques boîtes moko boye ya mo ba ningi wana ba site internet soki ezali je ne sais pas et donc ba agence légale et donc ba producteur ba mambo bele bele bon na yebite comment industrie mo imarchaka na ndenge ya Congo OK mais soki ezala ki développé nde siko mbongo linga ezala ebele et puis voilà l'étape linga ezala na mbongo ya ko investir na traçabilité OK mais problème te soki ba chemisu na finance ba chemisu na média bon à la longue mbongo ezala pekaka OK parce que ba mbongo ba tubaibaka bon le baiba ego sunga mboka ulie kende pai ya individu traçabilité est important mais actuellement l'état ezananu na assez de ressources t hein pona et ça la pena musala à la hauteur selon observation na ngai OK mais soko za na connaissance offre d'emploi ezali kende ko tcha mutu ngamoko programmeur et pona kende mo ba bootcamp mo ba nini pona koma à mesure ya ko kende ko luka musala na ba domaine wana parce que bazali dans les besoins OK voilà tant ba tongaka département wana ya cyber suki criminalité suki penini tout ça ngai pe ba informa ki nga tant ordonnance ele kaki voilà alors na kendaka te parce que bon na yigula ko programmer na ndaku et il me fallait ko kende ba bootcamp donc logo na lingana sala ya ngwana na ke bootcamp na batamuke bafutaka trop cher oyekoli intensivement hein temps plein penda pendant 3 mois et 6 mois tout ça et puis bon ou appliquer penda makambo oyekola très rapidement mais ngala ko kende avant na kende na yebi déjà moi ebele vous comprendre donc c'est un peu ça voilà un jour bon peut-être na ko travailler kuna mais naza agent l'état OK pour l'instant voilà alors on continue OK jeunesse oyo ba landaka Marian Tumba jeunesse wana est-ce que ba ko ki bazwa relève parce que eloko mususu za ko inquiéter batu ya ngoyo OK c'est-à-dire batu oyo bazali censé kozwa relève ya ba cadre na département ya finance ya ba cadre na ba département ya justice ko remplacer ba capitaine Sélé bon ba to ngo sikoyo bon donc ba binaka kaka na lobi ki teke ko bineza mabe mais soki ba tunyoso bazo se focaliser kaka na elogo moko ça ne va pas donc ba tumsusu il faut bazo ba relève na département ya justice finance
médias par-ci par-là. C'est-à-dire, il faut tous à la jeunesse moko capable. Ok, c'est ça le problème. Il y a un monde déjà qui inquiété. Bah, tu n'as le vite que Maria Tumba, Mutazali responsable à mon cambo nyoso. Non, Maria Tumba, Azali parmi battu à Liboso, où va interpeller en rapport avec dépravation de mœurs. Ok, voilà. Alors cause, il y a bah dépravation de mœurs. Ok, moi mingi Aroloba, pauvreté moutetindakie, et ba kote wana. Pauvreté moutetindie, bon, abimagana boutou, pona, mibali ba futakaye, et la suite boyebi. Ok? Mais ka, yaba toa réseaux sociaux, et zali pona bongote, la plupart, baza déjà go s'en sortir, a koke a outa na famille pauvre, mais a zali déjà go s'en sortir. Alors pourquoi? Ko passe, ba message moko ya bienté, ok, bon mibeko ezalaki mais toyebaki te avant 2023 peut-être mibeko ezalaki te, ok, donc nyonso wana voilà mutu pe ako guider bon azali te o mekaki kaka kosala mwa ba video esimbi okomi ko influencer batu. Ok, bon, yo moko nani a wo influencé yo. Donc, avant yo moutou azalite. Ok, alors, oli a wo kanga, bon, pour la première fois, boko exige moutou a ya akende. Ko, sa la test, ko tanga ordonnance o ya 390 loi. Ok, akei ko tanga yango. Bon, à sali test, pour na ola ki sa ki, à comprendre, à ta souvi, à ta ngi nyo sote, à ta ngi mingi o ezali en rapport na, magambo yi à sala gana réseaux sociaux. Ok? Soka passe à mo, bon, pour la première fois, bon, tant bo interpellé, à ko ki a échappé, donc, arrestation. On est assi gestion na ngay. Tant aussi qu'on a répété, bah, ma kamango, bon, deuxième fois, si qu'on a un peu kangi. Moni, ils allaient n'engue, tomonara, na, bah, mokamisusu. Donc, ils allaient parmi, bah, proposition. Ok? Mais, et aussi, n'a si qu'on a toupé, bah, disposer, plateforme, hein, oyo, et koki, et faciliter, bah, test, wana, ta, bah, test, bah, choix multiple, bah, nini, pona, voilà ba certificat que oui tant que ordonnance en haut et puis à passer le test pour na ko éviter boloko moni donc pour na ko éviter ko kanama donc c'est un peu ça voilà alors on continue cause ya pauvreté. Oui, en partie oui, pona batu misusu, mais batu ya réseaux sociaux misusu ezali pena makamba pauvreté lisusu te parce que la plupart ba komi déjà ba makonzi ya libota et donc bazo s'en sortir déjà mais ko fingana fingana ezali ko faire partie ya ndenge basalelaka musala yango. Jusqu'à ce que Maria a comme interpellé pour na likambo ya dépravation des mœurs. Ok, voilà. Alors responsabilité, hein? Donc c'est-à-dire est-ce que ça responsabilité mutu ezali ko pousser bango ba sala responsabilité c'est-à-dire la charge ba nini non ezali nini makambo e bandaki ko salima. Ok. Changement et oratant changement bon voilà co-implémenter à moi ça prend du temps moni donc mibé technologie est avancée bah YouTube bandi bah 2006 banini tout ça et voilà au côté où est bandaki bango co-implémenter bah mibé c'est beaucoup plus rapide
moni ti ba 2010 11 12 to komi pe na ba youtuber moko moko ba 2014 nde mo ebele ba se confirmer bon biso to e okoma na mibeko et ma rapport avec ba loi numérique avec en rapport avec malambo ya ba réseaux sociaux na 2023 peut-être un peu avant na 2023 nde sikoyo bon voilà ordonnance oebimi mais je ne pense pas que ça ordonnance moko boye adapté tout chaque 2023 OK et le loyo 2024 ouais ministre ya justice abete ya mosete OK donc c'est ça voilà alors on continue OK ba influenceur ou modèle OK donc bana bazaliko s'identifier na bango bana bazaliko adopter ba comportement na bango OK nyoso oyo baza osala eza mabete ya malamu pezali mais oya mabewana nde sikoyo ba jeune baza na facilité ya ko adopter yango comme norme OK alors ko sensibiliser ko interpeller et ko benda bango matoyi ezali très capital OK naza contre l'état et bandi na Maria Ntumba voilà mais mutu alamusi makamango ezali bon kulubaga Denise ça ne va pas hein donc Denise na na Jackie OK Jackie na Denise OK voilà nan bakanga ki avant bon ekomba nuance OK est-ce que Mariam tubakangaki avant, est-ce que Denise tubakangaki avant? Mais nde sikoyo, makambo esalemi trop. Donc, Constant Mutamba, le ministre, ouais. Donc, à la moussi, bato baza ko accompagner ye, na ministoria na ye, à la moussi, sensibiliser bango plus par rapport ya dossier, ya Denise na Jackie. OK? Mari zaka ke bon. Otalamaka trop et récemment outiko lobabilobela alors donc yakana nkuto on comprend parce que bango il faut passer la rapport OK so ezalaki Maria te ça pouvait être masolo ya Jonas ça pouvait être naïveté OK voilà alors on continue jusque là article tout solo likaka article moko bozomo na article 358 wana yango elingi koloba nini OK na kotanga pe yango voilà alors ba influenceur ou modèle na lobeli yango glorification ya ba donc kokatakata nzoto komodifie nzoto OK mingi ezalaka mpona esthétique OK donc elingi koloba ke eza mpena nécessaire te soki osali yango te bon c'est bon kosala yango ezali plus mpona kosepelisa misu on comprend alors natangaki ba article te oyo ezali directement en rapport avec makambo ba BBL OK natangaki yango te peut-être ezali na kati ya ordonnance oyo te ordonnance oyo ya 2023 code numérique peut-être ezali na kati wana te OK mais ezali quelque part atana ba beaucoup mususu OK mais ça a toujours été un sujet tabou OK donc voilà côté wana je n'ai pas de précision et mais na mentionné quand même que ça peut aussi être jusque là tout ça qu'on supposait OK Maria Ntumba pe a ko expliquer pena bien té tout ça na ba lacune tout ça un peu limité réseaux sociaux ali chance loko pamba OK donc je ne sais pas soka vous allez accompagner avec quelqu'un d'autre wana ko kia kota na bozindo ya ko expliquer makambo yo ba bengela ki epona yango omoni donc explication na et to comprendre pena bien té mais soka lobi au moins dépravation de mœurs on comprend OK azo obligé té a kenge na ba précision banini bon akoki a relater plus tanaye na boloko
voilà. Donc, nous sommes là, nous sommes là, vous comprenez, parce que nous sommes là, nous sommes là. Et là, nous sommes là, Maria, Azalina, difficulté, il y a Koko qui a un cas, ok, Azalina 173 abonnés, tant que nous avons capturé, nous avons YouTube, na ye. Ok, malgré Beuze Oyo, Koko qui a un cas na YouTube. Lingo loba YouTube ezali compliqué. YouTube ezali nenge mususu. OK? Biso siko ba tuyakala na ba YouTube ngomboka na mboka ezala mikonzi nango. OK? Ngai précisément na lobi nini. OK? So otala ka ngai. Vraiment, okoza na problème en visibilité te. Pour de temps en temps na glissa ka mwa ba tiyo mwa ba nini oyo oko s'en sortir kak. OK? Avant na ndoloba sota la ganga ndoga olia yote mais na changer na komiko loba ke sota la ganga normalement okoza na problème à visibilité te pona pesa ka batio ebele pona mari antumba pona problème na ye ningaza coincé awa na 173 abonnés OK solution na ezali acha ba vidéo ya minimum 8 minutes mata hein, de 8 à 15, 8 à 20 minutes, oyo, azali ko loba, ok, alobara déjà bien, ok, ozo liate, ozo sala soupe, ozo loba pena continuellement, pendant 8 à 15 minutes, hein, donc, de 0 à 15 minutes à peu près, de 0 à 10 minutes, et l'eau moura bon, ok, vidéo moura ya dure, ya 10, 12, 15 à chez ma vidéo ya bongo sur la ndisi ba vidéo ya bongo et a komi na mata 15 a koleka 1000 abonnés wana et puis a kozala na facilité a kosala ba live ba makambo belebele wana ezali tiyo pona ye mais nana mwa logo ya koloba pona mutu nyonso oyo atalaka nga et puis azana besoin ya visibilité na lobite ke o contacter nga en privé pour to traiter dossier à visibilité gratuitement. OK, non. Oyo na flashé kaka pona mari antumba par rapport ya YouTube na ezo kende malembe trop. Kozala na YouTube ça peut l'aider à s'épanouir moi mouke. OK, azwaka mbongo ebele na ndenge ya ba publicité et mais na YouTube donc moi mutu ko sala YouTube ezana plus de considération que ba influenceur ya ba plateforme misusu. OK, azomeka mais aza na attitude ya kozela ba abonné ba mata avant acha contenu eza erreur o ba tubele ba chaka ba salaka donc ozande sensé ko cha ba contenu e ya ngonde e kobenda ba abonné mais contenu yango il faut zala na forma oyo bato baza ko talama baza ko cha pour l'instant bisounyo sur la plupart toza ko cha ba vidéo ya ba plus de ba 15 minutes. Vous comprenez, mais sur bandi déjà ba plus de 8 minutes. Donc et au sala déjà bien ezala pe bien vidéo ya mo, ce n'est pas obligé. Ezala vidéo o enregistré ya mo continuellement pendant 10 15 minutes. Ça peut être ndamu mais histoire mo boye cohérent ya plus ou moins 15 minutes. OK? Voilà. Ouais les alagi par rapport ya mogalambogo ezala mikonzi nango na nenga YouTube babiso oyo OK donc c'est un peu ça oui aza vraiment na 173 abonnés malgré buzz alekisi 1KT OK YouTube c'est pas des blagues OK il faut pena mutu tourner pour babanda kotala yo voilà bon nazoluga marché te mais soki yelinga pe ezala ngoma bete OK donc na flashé kaka po et sumaye comme ça donc na YouTube vie kakate mais bat mingi ya TikTok o bazoli na peba comme ba youtubeur la plupart na bango simina noté vous comprendre YouTube donc loba pena loba makamoza la nzela bon loba on siko pana ni siko na comme na 35e minute ya émission nga na lobela nini dépravation de mœurs. Donc, c'est un sujet très vaste et nous avons abordé quelques points
oza un peu trop direct na makambo biso to salaka na na réseaux sociaux 390 articles donc eza ebele na holobela nyonso te OK voilà alors ba diffamation ezali et glorification ya ba makambo ya ba chirurgie bon donc na traîné là dessus te parce que na tombé sur ba article concernant ya moti ba diffamation tout ça là dans autre bon na minute comme beaucoup plus facile ba lande la yo OK harcèlement hein donc ya ngope ezali eloko ya ko éviter ko luka ba article wana en rapport avec yango discours haineux yango pe na joie qui capture ya parti wana discours haineux article 358 mutu et lobeli yango OK quiconque initie une communication électronique qui contraint intimide harcèle ou provoque une détresse émotionnelle chez une personne en utilisant un système informatique dans le but d'encourager un comportement haineux, OK, tribal et hostile aux bonnes mœurs et aux valeurs patriotiques est puni d'une servitude pénale d'au moins 2 ans, OK, et d'une amende de 500 000 à 10 millions de francs congolais. OK, discours est né. Donc, au Kobeta, d'un mois à 2 ans. Au Kobeta, 1 mois, il y a Boloko, 10 ans. OK, bah, Boloko, il y a Kouleka, OEP, par rapport à dépravation des mœurs. Donc, code Wana, ordonnance Wana, comme on a dit dépravation des mœurs, c'était. OK, maintenant, Kati Kuna, il y a pour résoudre, il y a l'Iko, ko sanctionner ba to ebele ya ba dépravation des mœurs moni donc c'est un peu ça voilà alors article 358 ya ngwe lobeli discours haineux OK ba discours haineux oyo bon rozwa strike ya communauté ya droit d'auteur te mais ya communauté et puis possibilité à suppression ya chaîne pe ezali on a discours haineux néo, OK donc c'est un peu ça exemple à discours haineux bon est-ce que ça vaut la peine un peu cet exemple voilà par exemple au pays au lobby par exemple écolo boye ils ont un peu important na ko babenga na bango on comprend au lobby on peut en public ou tangi peu comme écolo ngo bon est-ce qu'on catégoriser discours haineux au moni ouais il faut vraiment qu'on aura temps il y a qu'on tanga ba article oyo parce que ce que comme lio bon ba olimbisa yo te ozali censé oyeba on comprend ce que vous comprendre te bon zala la mutu oyo azali ko accompagner yo na ba makambo yo ya réseaux sociaux futa yepe. On comprend. Donc, ngai particulièrement personnellement, na senga biloko mibale, OK? Mokoza kufuta nga mingi mingi mbongo, OK? A part wana ezali nani azali ko retenir makambo yo naza ko tangisa. OK? Mutu ango eske na yebie, mutu ango eske amonanaka, poza kopu moko boite suki pe ningi nini. Nazo transmettre pouvoir, nazo transmettre savoir, ce qu'on a au transmettre on est pas nain, OK, na accepter qu'on travaille na mutuka kapo a ambita kanga, est-ce qu'il faut na travailler kaka na bateau, bah osa na capacité na volonté ya kutangisa, ou bien ata mutu a osale la mupe kaka, mutu no a osale la, bon, a obana ko reposer na les mêmes questions te, là parmi ba blou na linga apinati. Au moins, nous, ça n'a presque rien. Nous avons reposé la même question qu'on disposait tant d'un pour la moutabon, on a mon amour inutile parce que, bon, quel que soit le foutaki, bon, donc, il veut dire, donc, d'a travailler la perte parce que, au foutaki,
mais je dois répéter à plusieurs reprises la même chose parce que tikakinanu ozongeli tout ça sous les salmina mon pena trop te ce n'est pas grave mais quand on salmi trop donc tu recommencer na valeur à mon pé et si donc na singa des choses mutuana ou aza ko retenir na yebi mutoyo azali derrière chaîne wana et nazo croire na ye tout ça na yebi bon mutu soki journaliste na ye ou technicien na ye ou quoi voilà ata na yebi ce n'est pas grave mais na ye ba au moins na mukolo chaîne mais o wana pe na mon na ye boy parce que na ko ba na o transmettre savoir te et pas inconnu ni eloko au sala na mo to yebi te déjà kutu na uzana nga convaincu te volonté na o tang sa ye et vous allez te mais nazanga moko te ba to belé bazali ko ba tanga ba makambo chaque plateforme ezali na ba ordonnance na bango ninge bazokumbela plateforme wana OK tuzalaka sansé oyeba et bon eza ko s'adapter pe par rapport à ba pays banini ba makambo moins ebele ngala mona kango na kanali ya ba entreprise oyo tosalaka ba business na bango malgré za ya Congo pour ces cas-ci mais la plupart ngana tombaka siri yango OK na ba canal wana banini tellement tokotaka pour na ko zala mesure ya ko répondre bato to accompagnaka na makambo ya ba réseaux sociaux. Alors article 358 awa siko quiconque initie une communication électronique et qui contraint intimide harcèle ou provoque une détresse émotionnelle. OK? Donc, azalina sanction na ye. OK? Ba discours mobwe ya haine, tribal, hostile. Donc, c'est un peu ça. OK? Voilà. Alors, kotambola mabe, na miso ya batu. Dépravation de mœurs. OK? Donc kotambola mabe na miso ya batu, c'est-à-dire oza ko se conduire mabe en public ozali pe na batu ebele oyo balandaka yo. C'est pela na luka explication moko boye ya un peu simple mpona ko loba dépravation des mœurs en lingala. OK, voilà. Alors tozali ko continuer article 358 na lobela ki yango déjà. OK, discours aîné. OK, na BTPCT ke ba supprimaka ba chaîne ba page ba mambo belebele pona article pona discours aîné. OK, kuna ba obenga ngoli ka mususu ba lini tout ça mais ba supprimaka ba page ba chaîne et voilà. Et logo mususu oyo ko ke sala ki ba supprimer chaîne ezali tant aux a démonétiser ozo partager ba lien ya chaîne eza na problème. OK, ou bien ozo partager bon ba lien ya chaîne o eza monétiser ko partager na communauté et comme il logo moko boye oyo il faut osala nango kozala ngo très prudent kozala nango ekenge parce que ba koki ba supprimer chaîne et donc et ba chaîne nyonso o eza associé avec adresse email wana parce que o partager ke logo moko boye na communauté pendant que oza démonétiser na message wana ya YouTube ya démonétisation ba komi pe ko lobela ordonnance wana. OK, oyo ekoki e autorisé bango ba supprimer chaîne na yo parce que ozali ko ko contourner. OK, donc logo mo boy o bango ba lingite batu ba salaka donc c'est un peu ça. Voilà, alors on continue. Qu'est-ce qu'il y a article 55 voilà. Ah sikoyo voilà donc touti na wapi touti na 358 toke na kotambola mabe toke sikoyo na arrestation. OK, arrestation les a solution arrestation donc pour la première fois je ne pense pas qu'ils a solution. OK, bah ko investir
bako non que bako dépense bon voilà dépense donc pour la première fois elo ngai na sepela ki ba sale ezali ko investir na ko éduquer batuana OK mutu ye moko akokia tanga ake asali test OK donc ba investir na véracité ya test donc ndenge batu bakine kozwa permis de conduire bon OK posa certificat moko boye oyo et ko permettre yo o exercer makamu na yo ya réseaux sociaux voilà OK kozwa certificat OK kozwa bon voilà ou un certificat oyo eza kolakisa ke otangaki ordonnance oyo ou otangaki quelques lois ya ordonnance oyo en rapport avec ba makambo oyo osalaka donc c'est un peu ça oyé bon tant ba convoquer yo kaka po okende na na certificat wana tout kompe na convocation na yo bon aux en a besoin de se présenter t'es OK bon aux en a besoin de kendeka ka kotika certificat amoni donc c'est ça wana makambo ba déplorer justice est déplorer bon donc ba ipsio bon pour pas kangayote pour au les cas devant juge t'es il a besoin certificat que au yebi article oyo et puis c'est tout amoni pour la première fois et logo nga na ko proposer ya ngwana donc arrestation eza pena ekokeza la seule option t moni ou interpellation ou invitation kaka ouais pour bayebisa yo kuna tout ça bon sur peza weekend la lena nou et puis va libérer lundi tout ça nyoso anezali je crois que ça prend beaucoup de temps que mutuye moko ayebika ki suna ke kuna bon après autant attendre ba biloko na seulement test nana c'est bon pour la première fois ba kokanga ngate donc deuxième fois c'est quoi voilà il y a un siko ko kezala na ba procédure quoi ou bien première fois il y a grave bon ba kangi voilà alors tout ce qui est article 55 contrat électronique ezalipe valable OK contrat électronique la plupart des fois toza komona na te tozali à distance tozali musika oteki bon mutu mususu ake ko délivrer koteka ezali déjà contrat moko ezali wana OK ezali censé kozala OK voilà alors c'est bon OK article 55 que le bin contrat électronique est valable OK les contrats par voie électronique est valablement conclu si le client accepte l'offre après avoir eu au préalable la possibilité de vérifier et de réagir aux détails de sa commande. OK? Tumuna. Oh, mtumu bateka ka baminda. Mtumu bateka ka kabelo. Mtumu bateka ka suku pa nini, OK? Biso nyoso to teka ka te. Alors na ko traîner awa mingi te. Mais yango zali article 55 na code numérique wana OK ordonnance ya 13 mars 2023 OK na Congo RDC voilà alors na traîné mingi na article 55 te mais bino bato ko te kapé donc ba che bino misu OK contrat numérique ezali pe valable mais il faut comprendre les détails. Alors, on continue. Bah, tout oyo, bah, te kaka biloko en ligne, bah, ke ko délivre, boza na, bah, na katia ba ordonnance, na katia ba article oyo, na katia ordonnance oyo, ok? Article 195, état de santé, donné à caractère personnel, ok? Yango pe, bah, l'obéli yango. Yango zali na article 195 exception ezali soki mutu ye moko abimisi yango OK donc ça c'est tout à fait autre chose mais ba donner un caractère personnel ça doit demeurer confidentiel OK est interdit de traiter des données à caractère personnel ayant trait
aux informations raciales, ethniques, aux opinions politiques, aux convictions religieuses, aux convictions religieuses. Oh, nanu azalaga, ce qui est religieux, ni nivana. Lubaya yomoko. Ce qui est mutu mususu, bako kime bakanayo. On comprend? Article 195 est interdit de traiter des données à caractère personnel ayant trait aux informations raciales, ethniques et opinions politiques. Tu y es bien dossier, il y a moi, nous, il y a 13 à 14 ans, école privée, na limité. Au moins, il y a la gima ramba poso. Moutou, et comme ça, il y a un niveau en. Na uzungi la mou awate. Ok? Il faut que vous allez vraiment prudent. Il faut que vous investir na ouyeba, ba sije tabou, oyo, ou benda ba na matoui. Ok? Oza mwana mou kemingi, soki, conversation, et koti ba terrain, oyo, kanga mounoko. Je répète, parce que c'est très important, ma solo langa mingi za pona ba parent. Ok? Dossier à mwana école privée limitée. Vous comprenez déjà. Et là, il y a poso. Et comment qui est souka qui n'est souka qui est. Alors, yo parent, ok, yo moukolo, oyo zo signé ba makambo. Bon, parce que yo mounike, ou lié déjà moi et belé, ou koko kenena yo. Bon, c'est très important qu'on rappelle pe ke innocent moué, et lingala. Ok? Très souvent, innocent, mouta kenek. Et vous allez yote, mouta provoquer. Vous allez, n'a pas ka oyo, tam soussou, vous encourager le mal. Tam soussou, yo lingi, yo o affronter. Tam soussou, yo lingi, yo ne o loba. Ok? Bon, on l'oublie déjà. Mais, conséquence, tam soussou, et vous allez n'a yote. Moni, conséquence, c'est que vous allez, innocent. Et ça va valer mon boy, ba verbe ba proverbe moko boye oyo esengala ko rappeler bato innocent moué. OK, donc ko provoquer ko zala muto soki pe ningi nini bon tam susu yo ça va malgré o moni ko lié ba bona ne ebele o signala ba makambo c'est bien mais tam susu ba bona ne ebele mususu o etikali wana oko passant on a ba regret ebele parce que donc attitude na yo na likamoko boye de zalaki tellement mabe mais aussi nyaki no kaka on comprend donc c'est ça voilà ezala makamu susu oyo l'état est jugé à moke eza bien te kobimisa c'est-à-dire eza sige et faut tika la personnel ba débat ba sujet oyo il faut qu'on évite. OK, voilà. Alors ba l'éviter qui qu'on évite en public hein, donc même en privé donc ouais ça va bloquer mon boue il y a qu'on évite on comprend sur OK côté au bosambelaka bon voilà bozali vision moko. Voilà, donc, on est allé cadre, bon, c'est comprendre. Mais tant que l'on est cadre, on est allé cadre. On comprend. Donc, c'est un peu ça. Mais tant que l'on est allé cadre, on est allé cadre, on est allé cadre. Bon, c'est mes peines, moi, attitude, orgueil, parce que, voilà, il faut qu'on rappelle les valeurs. OK? Qu'on rappelle les valeurs. Donc, il y a un débat. Il y a une vie boye. Il y a une donc, il y a parce que, vous justifiez le motif. Nabino, c'est bien. Mais, il y a un débat. Il y a un débat minimisé. Il y a un débat qui crée un dégât. Okay? Article 195 est interdit de traiter des données à caractère personnel ayant trait aux informations raciales. Et ethnique, aux opinions politiques,
aux convictions religieuses ou philosophiques, au statut des réfugiés et des apatrides, à l'appartenance syndicale, à la vie Yamagoda, ou plus généralement celle relative à l'état de santé de la personne concernée. OK? Voilà. Alors, c'est quoi, exception. Exception, Zali. Voilà, exception, Zali, wapi. Exception, Zali. Soki moutou yemoko, abimisi yango. OK? Voilà. Alors, place à exception, les traits donnés caractère, rendu public, tout ça. La personne concernée donne son consentement. OK? Les traits des données à caractère personnel portant sur des données manifestement rendues publiques par la personne. OK? Voilà. Alors, yango, ezali, exception. L'interdiction de traiter des données à caractère personnel visé à l'alinéa 1 du présent article ne s'applique pas dans les cas suivants. OK? Voilà. Alors, OK? L'interdiction, azali exception, plus ou moins article 4. OK? L'interdiction de traiter des données à caractère personnel visé à l'alinéa 1 du présent article ne s'applique pas dans les cas suivants. 1. Le traitement des données à caractère personnel portant sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. Mutuye moko alobie non na boye eh lito esalaka na pasi boye tout ça na utikute pa munganga. Eza boye 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 one zali exception mutango ye moko nde abandaki. OK, mais yoko banda na kombo ya mutu mususu mibeko eboyi yango. OK, na kotrene mingi là de suite yango zali article 195. Voilà. Alors je rejoue l'audio oyo ezali ko résumé au moins Elonini et la moussi dépravation des mœurs. OK, et la moussi ba loi en rapport avec dépravation des mœurs. Mibe kozali ebele pour la dépravation des mœurs. OK, mais o ezali plus ba crime numérique ba makambo salemi na sur internet. OK, dépravation des mœurs ezali na ba forme ebele ya ebele ya ebele. Okay. Alors, ordonnance Oyo, en 2017, Ezalakate. Hein? 2017, bah, Bibliaka, journaliste Moubou na Kombo ya Gisèle Mfouyi, et na yoga na mounoga viezakle ke, tozali na Mibeko te. Ok? En rapport avec bah, Makambo, Mibeko, Ezalite. Alors, si Koyo, alobaga bako propose, bah, loi, pour la cybercriminalité, la traçabilité, il y a information pour manquer de belé belé. Alors, na 2023, donc président de la République, yé mon côté, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ok, premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, na cabinet, ok, Guilin Nyembo. OK, directeur à cabinet, bah nini tout ça. Bon, bah signé ordonnance Oyo. Il y a 390 articles. Et ordonnance yango, bon, ceux qui sont déjà appliqués, je ne sais pas. OK, si go récemment awa ndé Constant Mutamba, ministre honorable Constant Mutamba, ministre ya Justice aye ko sala communiquer sensibiliser ba procureur nyonso ya Congo ba juge ba tunyonso oyo bazwaka ba décision ba tunyonso o bazana capacité ya ko interpeller ko inviter ko kanga batu alobi bon mibeko yo ezali. OK, makambo yo tu ko sali ma mikolo yo ya Denise na Jackie
Jacky na Denise, alors tous ali déjà na mibeko moko boye oyo ekoki etreté ba ka oyo. OK, alors bosalela na ba rapport ke bosaleli abeti sete na quelques articles banini tout ça. Bon, non, abeta ki sete na ordonnance mobimba. On comprend? Donc c'est un peu ça. Ya ngwana sikoyo esali ke Denise bon bakanga ki e Marian Tumbapé ou récemment a outi ko déplacer langage na ye en public ye pe ba interpellé ba kangié. Donc c'est un peu ça. Alors audio ou na bandaki nango yango oyo pe na sukisi avec yango je fais play. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a adressé une injonction ferme aux procureurs généraux près les cours d'appel de la RDC, leur enjoignant d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs d'actes des dépravations de mœurs sur les réseaux sociaux, notamment sur des plateformes comme TikTok. Dans une lettre circulaire, le ministre d'État a déploré la prolifération des contenus immoraux circulant en toute impunité à travers ses réseaux sociaux, contenus et qui, selon lui, choquent la société et mettent au mal l'éducation de la jeunesse. Il a attiré l'attention sur l'ordonnance loi numéro 23/010, 13 mars 2023, qui encadre les infractions commises dans le cyberespace et a demandé au procureur de faire respecter ses dispositions légales. La directive a été étendue à la police judiciaire des parquets ainsi qu'à la Commission nationale des censures, des chansons et des spectacles, leur demandant d'interpeller les contrevenants. Cette mesure vise à préserver la morale collective, selon le ministre. Les procureurs sont tenus de soumettre des rapports sur l'exécution de cette injonction dans les prochains jours. Cette initiative, notons que cette initiative intervient dans un contexte tendu marqué par la récente polémique entourant Jacky Ndala, ancien coordonnateur national de la jeunesse du parti Ensemble pour la République, et Denise Mukendi Dissocho, une influenceuse digitale. Mukendi a admis dans une vidéo choquante être à l'origine du violent Ndala a été victime lors de sa détention à l'Agence nationale des renseignements. Et le Conseil supérieur de la communication et des médias a imposé un embargo médiatique de 45 jours sur toute mention de Jacky Ndala et Denise Mukendi Dissocho, interdisant toute diffusion liée à cette affaire sur les médias et les réseaux sociaux.